Bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. J'espère aussi que les joueurs du Paris Saint-Germain vont très très bien. Car aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a la possibilité d'écrire l'histoire et d'apporter son 12e trophée à la maison. Eh oui, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain peut devenir le champion officiel du championnat français. Donc là, la saison qu'on vient de vivre, on tourne la page. Tu comprends? L'élimination en huitième de finale, on oublie, on passe à autre chose. Les débauches, les débâcles des joueurs, les histoires des feux de l'amour, on tourne la page. Maintenant, c'est aujourd'hui que tout se joue. Tu entends? Là, on n'a pas le droit à un match lambda, à un match où le Paris Saint-Germain nous prouve encore une fois pourquoi ils sont tous les jours, tous les ans éliminés en Ligue des Champions. On a besoin de voir un Paris Saint-Germain rigoureux, qui n'a pas froid aux yeux et qui est là sans pitié pour les équipes et les clubs français. Parce que là, on va pas se mentir, hein. Il y a un record qui vient d'être établi, hein. Depuis la première journée jusqu'à maintenant, c'est le Paris Saint-Germain qui est premier. Donc là, le Paris Saint-Germain, vous n'avez pas intérêt à perdre aujourd'hui et à perdre le prochain match. Comme ça, c'est Lens qui passe devant nous. Ça, je n'aime pas ça, hein. Vous avez compris? Aujourd'hui, c'est la victoire. Et la victoire de manière significative. Tu vois, j'en perds mon français. Là, on veut au moins un 4, 5, 6, 7-0. Tu entends ce que je te dis? Là, on veut un quadruplé de Kylian Mbappé. Toute l'équipe doit faire en sorte que ce soit lui et lui seul le meilleur buteur français. Parce que là, on voit qu'il y a la casette qui viennent faire de l'ombre à notre Kiki de Bondy. Dans tous les cas, le mercato va commencer. On sait très bien que le Paris Saint-Germain va commencer à nous mentir, à nous dire que voilà, il y a Son Goku qui arrive, il y a Freezer, il y a Namek, il y a la Lune, il y a Lance Armstrong, il y a tout le monde qui va venir jouer. Ils vont commencer leur marketing. Mais là, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Là, il faut remporter le championnat. Parce que sinon, c'est une saison sabbatique. C'est comme si les joueurs du PSG, ils ont dit, bon, cette année, on fait rien. Cette année, on est en vacances. On gagne aucun titre. Tu comprends? Ni la Coupe de France, ni les je sais pas quoi, on gagne rien. Ça vous va? Ça vous va? Ouais, c'est bon? Bon, allez, moi, je suis blessé, je vais au carnaval. Bon, moi, j'ai pas le temps, il faut que j'aille m'entraîner. Bon, moi, je joue en Arabie Saoudite. J'ai un partenariat. C'est ça? C'est ça qu'on va retenir du Paris Saint-Germain? Non. Donc là, je ne sais pas quelle équipe va souffrir, mais elle doit souffrir. Tu entends? Elle doit souffrir. Le Paris Saint-Germain a la possibilité de prendre le championnat aujourd'hui. Et j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise.